Alors aujourd'hui, c'est un maquillage spécial. Enfin non, c'est pas un maquillage spécial en fait, c'est juste mon maquillage de jour. Parce qu'en fait, je me maquille tous les jours pareil et sur les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup à me dire « Amy, mais qu'est-ce que tu te fais ?» Alors c'est parti. Déjà, sachez que j'ai découvert dernièrement la base de fard à paupières de Make Up For Ever. Elle est trop géniale. Je sais pas si vous la connaissez ou pas, mais franchement, je trouve qu'elle permet de popper les couleurs au maximum et surtout qu'elles tiennent plus longtemps. Alors pour les personnes qui se demandent comment je me suis fait le teint, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos puisque j'ai fait une vidéo sur ma routine teint avec le léger contouring. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Bon là je vous apprends rien, hein. Tout le monde sait poser sa base de fard à paupières. Alors la couleur que j'applique le plus, c'est la troisième couleur du coup de la palette Naked qui s'appelle la Beauty Call. Alors cette couleur que j'adore, je la mets toujours dans le coin interne de mon œil parce que je trouve qu'elle permet vraiment d'apporter de la lumière. Ensuite la couleur numéro 4 de la palette, c'est la Chopper. Et en fait celle-là, je l'applique au doigt et je vais vraiment l'appliquer sur le coin externe. Pour la fondre petit à petit dans la première couleur. Et je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça fait un beau mélange. Alors si vous vous demandez c'est quoi mon vernis à ongles, c'est le E-Live de Formula X. Je le trouve trop beau, en fait il est un peu corail, je sais pas si on voit bien. Et maintenant je vais venir utiliser la palette de Too Faced, donc c'est la Semi-Sweet Chocolate Bar. Sérieusement, elle sent tellement bon. Dès que je l'ouvre, j'ai envie de manger du chocolat, c'est terrible. Alors au niveau de cette palette, là je vais juste utiliser en fait les couleurs un petit peu plus marronnées. Donc je vais commencer par la truffe. Truffe. Oh là là, moi et l'anglais, c'est vraiment catastrophique. Voilà, c'est la couleur qui est juste ici. Et en fait, je vais venir appliquer du foncé vraiment sur le creux. Voyez ? Alors le pinceau que j'utilise, c'est le Bar Mineral, le Precision Eyes, je le trouve vraiment cool. Et du coup, clac, je vais vous zoomer un peu tout ça. En fait, quand vous apposez le fard, il faut vraiment bien regarder droit en fait devant vous. Vous voyez, vous regardez droit et vous appliquez. C'est vraiment sur l'os, hein. Et après, hop là, je dégrade petit à petit. Et une fois que vous avez posé toute la matière, vous changez de côté de pinceau et hop, vous dégradez. Alors en fait, au départ, j'utilise un pinceau plat et là, c'est un pinceau boule. Là, c'est encore le plat parce que je remonte un peu la matière et le boule. Alors là, je suis en train d'appliquer en fait la couleur un petit peu, vous savez, nacré clair. C'est celle-là, c'est la Butter Pécan. Et en fait, j'en mets très légèrement, vous voyez, sous mon sourcil, et je dégrade. Et on finit par la couleur caramel. Et en fait, la couleur caramel, je vais juste la mettre, vous voyez, sous les cils du bas. Et comme ça, je vais venir raccorder, vous voyez, au niveau du make-up. Je sais pas si on voit. Et j'en mets très très peu, hein. Vous voyez, en même temps, je peaufine quoi. En fait, quand j'applique cette couleur, j'en profite toujours pour peaufiner mon make-up. Tu voyez, comme ça, je redégrade, je remets en forme. Bon, je suis en train de me dire que je vous ai dit maquillage de tous les jours, mais que c'est un maquillage de tous les jours assez, comment dire, soutenu. Hein. Et je viens de me dire, je suis peut-être un peu partie loin. Peut-être que vous vous maquillerez pas comme ça tous les jours. On va dire que c'est un maquillage de tous les jours quand j'ai le temps de me préparer. Voilà, ça va être ça. Maquillage de tous les jours quand t'as le temps, quoi. Et on finit ce maquillage par l'application du mascara. Alors c'est volontaire, en fait, j'ai pas mis d'eyeliner parce que vous allez voir, le mascara est tellement génial. Donc en gros, le mascara que je vais utiliser, c'est le tout dernier sorti de Marc Jacobs. Franchement, il est génial, mais je vais vous laisser regarder par vous-même. Et en gros, ils ont fait deux versions, une version
plus grande pour les cils du haut et une micro version que je vous montrerai ensuite pour les cils du bas. Je sais pas si on voit bien, mais c'est juste dingue quoi. Le résultat est trop trop beau. Et je vais tout de suite vous appliquer le petit. Donc le tout petit, en fait, c'est le précision. Et si vous voulez, le plus petit va vraiment permettre de travailler le coin interne sans toucher votre paupière et aussi de travailler les cils du bas. Ce petit mascara, je l'embarque partout, sérieux, il est trop pratique. Déjà pour travailler les cils du bas, je trouve que ça, vous voyez, ça agrandit vraiment le regard, le fait de travailler les cils du bas et aussi le coin interne. Alors par contre, un petit conseil, si jamais vous avez les yeux un petit peu trop ronds ou un petit peu, on va dire, globuleux, surtout ne mettez pas de mascara sur vos cils du bas parce que là, ça va trop les arrondir, ça fera pas joli. Non mais sérieux, c'est pas trop chouette. Moi, je trouve ça trop joli. Je trouve que vraiment, là, on voit bien déjà la différence. J'espère qu'à la caméra, vous allez bien vous en rendre compte parce que sérieusement, il est trop trop bien ce mascara. Le rendu, il est dingue. Alors voilà ce que donne le maquillage des yeux une fois terminé. J'espère que ça vous plaît. Et maintenant, je vais appliquer donc le rouge à lèvres. En fait, c'est les derniers rouges à lèvres sortis de chez Revlon. C'est l'Ultra HD Matte Lips Color. Donc moi, j'applique la couleur la plus bordeaux. Parce qu'en ce moment, je suis fan du bordeaux. Oh, j'adore. Ça sent super bon, ouais. Alors l'idéal aurait été de faire son contour au crayon, hein. Moi j'y étais comme une sauvage. Et voilà mes petits warriors, le rendu make-up, je vous ai fait un gros zoom. Donc voici ce que donne le make-up au niveau des yeux, les lèvres. Je trouve que la couleur, j'en ai pas sur la dent, ah si. Ah j'ai pas l'air stupide moi. On refait, coupé. Et voilà ce que donne le rendu make-up, mes petits warriors. J'adore vraiment au niveau des yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces couleurs, ça fait quelque chose de vraiment lumineux. Et la couleur au niveau des lèvres, eh ben, ça va venir rehausser le tout. Alors je vais un peu me dézoomer. Non mais sérieux, le mascara, il est trop bien. Non mais franchement. Bref, j'ai vraiment hâte d'avoir tous vos commentaires sur ce tuto. N'hésitez pas à me dire ben voilà, si vous utilisez déjà des produits, si vous les connaissez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la barre d'infos vraiment toute la liste de tout ce que j'ai utilisé. Quoi d'autre ? Ben, si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous ne me connaissiez pas encore et que vous avez envie de continuer, bah voilà, à regarder mes vidéos, coiffure, maquillage, quoi que coiffure, vu comment je suis coiffée aujourd'hui, voilà. N'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner. Je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos si jamais vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et puis ça va être le moment de vous laisser. La vidéo qui vient juste après, c'est le teint. C'est comment je me fais le teint en ce moment et comment je fais, vous avez mon léger contouring. Et maintenant, un immense gros bisou de loin parce que je suis un petit peu malade et je vous dis à très très vite. Ciao ciao !